Voilà. C'est bon ici. Ici, on ne sera pas coupé. Connectez-vous. Connectez-vous et... Voilà, ici c'est bien. Je crois que mon téléphone c'est déjà un peu malade. Mon téléphone c'est malade. Il coupe à tout bout de champ. Il fait ce qu'il veut. Donc, faut déjà changer. Les téléphones même ne durent plus maintenant. Le téléphone s'il n'a même pas un an. Je crois que je peux aller faire jouer la garantie, hein. Je ne peux pas aller faire jouer la garantie du téléphone si que na, il est déjà comme il est là, que à peine acheté, déjà malade. Donc, je disais que, Pipi, moi je ne suis pas lâche. Quand on me tague ou quand on me dit que tu fais une vidéo, que tu parles de moi, je viens avec mes deux pieds. Tu m'as vu sur ta vidéo. Toi-même, tu as dit qu'elle est là, elle est là. Je suis là, je viens, je t'écoute. Moi, je ne suis pas du genre que quand je vais faire une vidéo, après tu supprimes. Tu as supprimé la vidéo là, non? Tu as encore supprimé la vidéo là, pourquoi? Il ne faut pas supprimer les vidéos que tu fais. Quand tellement tu es fausse, tellement tu es double face, les gens qui ne te connaissent pas pensent que tu es une femme clean. Tu as certainement beaucoup de qualités. Mais tu as beaucoup de défauts parce que tu veux trop jouer dans le paraître. On n'a pas besoin d'être dans le paraître sur Facebook. Les gens nous aiment, ils nous prennent comme ils nous prennent ou ils ne nous prennent pas, ils déposent, ils passent leur route. Quand tu as fait ton direct hier, je suis venue dans ton direct. Ouah, on m'a tagué que, elle parle de toi ici. Je suis venue. Je suis entrée. Je ne me suis même pas mise à la fenêtre. Je suis entrée pour que tu voies bien que je suis là, que je te regarde et que je t'écoute. Tu te mêles d'une histoire qui ne te regarde pas. Tu veux cogner ma tête avec Fleur de Lys, sachant que Fleur de Lys et moi, on a fait la paix. Ce que les abeilles jaloux ou les abeilles déchues ou les gens jaloux de ma relation avec Fleur peuvent dire ou faire, je m'en fiche. Fleur voit, je vois. Fleur voit, moi-même je vois. Toi, tu mets ta caméra, tu viens te mêler de ça. Tu scruptes. Ce qui m'a le plus fait rire, c'est que tu as scrupté le moindre fait et geste, mes propos, mes dires, même ceux de Flore, parce que quand elle est venue chez moi. Maman, là, en fait, tu es fan de moi. Tu es fan de moi, Pipito. Tu es fan de moi. Parce que tu, même les petites phrases que moi-même Élise, j'avais déjà oublié que j'avais prononcées. Tu as prononcé. Ma mère, on peut être fan de quelqu'un comme ça. Le problème, c'est que je fais ce live pour faire comprendre à Fleur de Lys que sur Facebook, il n'y a pas de Yamsa, il n'y a pas de Mojang. Oui, on dit Mojang, on dit Yamsa pour plaire. Mais sachez que sur Facebook, si. C'est une place pour chacune et chacune et chacun. C'est une place, Flore. Ta soeur, ta yam soeur, que tu dis que c'est ta yam soeur, Pipito là. C'est elle qui te fait sortir de tes gonds. Tu n'avais pas un problème avec la basse. Tu avais des relations amicales avec la basse. Tu n'avais pas un problème avec la basse Flore. Et je parle de ça aujourd'hui parce que cette salope, cette chienne, cette sale chienne de pipi a fait une intervention que je veux lui faire comprendre que elle ne peut pas manipuler tout le monde. Je ne suis pas manipulable. Je suis une grande femme. Je sais ce que je veux. Je sais ce que je fais. J'assume mes propos. Voilà une femme qui veut jouer avec tes émotions. Comme Flore, tu es seule. Tu n'as pas de soeur. Tu as des frères. Tu es une fille unique.
Donc, malgré toi, que tu le veuilles ou pas, désespérément, tu cherches souvent les yamseurs. Tu peux être yamseur avec celle qu'on appelle pipi. Non, mais Flore, c'est pas un clash. Moi, je veux juste que tu m'écoutes. Tu peux être yamseur avec celle qu'on appelle pipi. Celle qui veut ta place. Une comme Élise, je m'en fous, j'ai deux vues. Je m'agnagnaillou. On m'invite même, hein. Je ne pars pas parce que je suis une mère d'enfant, j'ai un mari, j'ai mon bataillon que... Et puis, bon, les soirées, ça coûte cher. Les soirées, ça coûte cher quand on t'invite. Sauf si on te monnaie comme toi, Flore, on te paye pour partir dans tes soirées. C'est ton gagne-pain. Ce que tu as dit l'autre jour dans l'un de tes directs, que c'est ton gagne-pain. C'est vraiment ton gagne-pain. Pipi, on ne la paye pas. Pipi force les invitations pour qu'on l'invite, pour qu'elle va faire le match, vu, pour qu'elle fasse aussi semblant d'être comme toi. Mais toi, on t'invite, on te signe le cachet, tu pars faire ta prestation, tu es payé pour ça. Et moi, je dis que c'est plutôt bien. Si tu travailles par rapport à Facebook, c'est bien. Mais ta yamseur là, ce n'est pas ce qu'elle dit qu'elle veut te cogner ta tête entre toi et moi. Ce qu'elle t'a mis dans le ndoutou avec la basse. Il fallait la laisser. Il fallait laisser Pipi gérer son histoire avec la basse Flore de Lille. Il ne fallait pas te mêler. Parce que celle qu'on appelle Pipi ne peut pas mouiller son maillot pour toi. Elle ne peut pas mouiller. Elle ne peut pas perdre ses avantages, ses followers. Elle ne peut pas perdre ses gens qui la supportent pour toi. La preuve en est que quand tu as eu tes soucis de tontine, elle s'est débinée. Elle a pris la poudre d'escampette. Moi, je ne me suis pas mêlée parce que c'était face à mon frère Ekam, qui était ton ami, qui était ton père. Je ne mets pas mon doigt où les gens ont eu leurs affinités. Donc, je n'étais jamais dépendue sur ce point-là. Et j'ai toujours été mordue foscus. Que je ne me mêle pas de ça. Celui qui vient écrit qu'à un moment, il faut arrêter. Mon frère, si tu n'es pas content de me suivre, tu dégages. Ce n'est pas forcé. Ou ma soeur, tu n'es pas obligé d'être là. Tu dégages. Il est 11h passé. Va faire à manger à ta famille. Il va être midi bientôt. Dégage. Donc, vous croyez que vous pouvez manipuler les gens plus que les gens? Vous pouvez manipuler les gens plus que les gens. Vous ne pouvez pas. En l'occurrence, Lolo ne peut pas me manipuler. Et je suis dessus de voir que Lolo, quelque part, elle arrive à manipuler Flore. Elle a mis Flore dans le choking de la basse. Est-ce que la basse en avait contre Flore? Elle lui a mis dans le choking de la basse. Est-ce que la basse en avait contre Flore? Non. La basse avait beaucoup d'affinités avec Flore. Il y avait plein de gens de la basse que moi-même je sais, que je regarde, qui ont des faux profils, qui commentent, qui sont ces abeilles. Qui sont ces abeilles? Les gens de la basse que vous voyez là, qui ont les faux profils et qui sont les abeilles de Flore. Quand Pipito voit qu'elle est dans un dilemme, elle profite du voice qu'on a publié où tu supplies, Sandy de Boston, que non, toi tu ne veux pas les problèmes avec eux. Ce qui est noble, c'est noble ce que tu as fait. Tu sais ce qu'elle a fait? Tu sais ce que Pipi a fait? Elle a mis sa caméra, venir te dénigrer. Comment tu supplies? Comment tu pleures? Sandy de Boston, c'est qui? Tu l'appelles mon général, c'est qui? Tu pars même jusqu'à l'appeler maman. Parce qu'elle sait. Parce qu'elle sait que, en voulant faire comprendre aux gens que tu es parti supplier, on va dire que tu es une femme qui supplie. D'où le fait que quand on l'a enfariné au mariage, là, tu as fait ta sortie. Si moi j'étais à ta place, Je restais que suis. Parce que c'est suite à cette sortie-là que la basse a décidé de te boycotter. Écoute, Flore, tu t'es faite seule sur la toile.
Tu as fait tes 2500 combats ou tes 120 combats ou tes 2 tes milliards de combats sur les réseaux seul. Tu n'avais pas des yamseurs, tu n'avais pas tout ce monde-là. Tout ce monde-là qui est venu derrière là, c'est pour chercher la star mania pour être comme toi. Même moi-même, si j'assume. Moi, je suis venu chercher la star mania. Mais chacun choisit comment chercher sa star mania. Tu étais ici seul, tu t'es faite seule. Ne te laisse pas influencer par les pseudo-yamseurs du jour au lendemain. Cette femme qu'on appelle Pipi a monté le peuple Bamileke contre toi. Tu es la seule Tchan. Tu es la seule Tchan des réseaux sociaux. Elle a monté le peuple Bamileke, les Banganté, comme elle est Banganté là. Contre toi, que comment une fille tchang, elle est partie chez la chèvre, elle a fait tellement de choses en sous-marin, tellement de choses en sous-marin pour t'abattre que tu ne peux même pas imaginer. Elle n'est pas prête de s'arrêter. Une comme Elise, je m'en fous. Le jour que j'ai le temps, je fais une vidéo. Le jour que je n'ai pas le temps, je ne fais d'ailleurs pas les vidéos tous les jours. Quand j'ai le temps, je fais une vidéo. Même comme je fais aujourd'hui, là, je peux même faire 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours sans faire de vidéo. C'est pour montrer que j'ai une vie. L'homme ne vit le cœur. J'ai une vie. Facebook n'est pas une priorité pour moi. Contrairement à Pipito. Pipito peut tuer quelqu'un pour Facebook. Et la seule adversaire que Pipi a sur les réseaux sociaux, c'est toi, Flore. Tu vas perdre beaucoup de plumes sur cette histoire de la basse là en croyant que ta yamseur est en train de te soutenir. Pourtant, elle a trouvé le meilleur moyen pour jouer sur tes sentiments, pour jouer sur ta faiblesse de yamseur, pour mieux t'abattre. Elle a trouvé ça. J'ai vu son direct où elle parlait de toi. Elle faisait ça que elle souffle le feu. Après, elle va éteindre. Voilà comment les gens qui sont narcissiques, qui sont manipulateurs se comportent. L'homme ne bibe que, va signaler directement. L'homme, envoyez aussi les cœurs, non? Vous êtes là presque 180. Envoyez les cœurs. Envoyez-nous les cœurs. Hein? C'est ce qu'elle veut faire. Une comme Élise, hein? Tu ne peux pas avoir peur de moi parce que moi, je viens haut, je viens. Je ne viens pas haut, je ne viens pas, je m'en fiche. Mais une comme Pipi, tu dois avoir peur d'elle à un niveau où? Le niveau élevé. Parce que c'est ta place qu'elle veut. Depuis qu'elle a pondu les 15 000 vues de retour de la canne, quand je disais à tout le monde ici là que Pipi était là, qui me croyait? Quand je vous disais ici là qu'on les avait rapatriés tout ensemble, qui me croyait? Vous avez vu le niveau de narcissique de la personne que, après elle est venue faire un direct l'autre jour en disant que oui, j'étais déjà là, je faisais des publications pour provoquer Veuve Joyeuse pour qu'elle parle encore, qu'elle s'énerve encore. Mais moi, je savais qu'elle était là. Et je l'avais dit que Pipi est là depuis le premier jour que les autres sont rentrés. Elle est rentrée avec elle. Non, ma soeur Coco Clara, ne dis pas que laisse-leur de leur côté. Ne dis pas que laisse-leur de leur côté. Je ne peux pas les laisser de leur côté, sachant que quelqu'un veut profiter. Le fait que j'ai dit que je ne prononce plus Flore dans mes choses par rapport à mes raisons que j'ai déjà dit, pour vouloir me cogner la tête avec elle. Non, je ne les laisse pas de leur côté. Il faut éclaircir certaines choses. Même Flore, il n'y a personne qui peut mettre sa caméra comme je mets là pour lui dire que, pour lui mettre en garde de sa pseudo-yamseur. Tu crois qu'elle ne t'envie pas? Qui a déjà invité Lolo au Pipi? Qui t'a déjà invité officiellement? Qui t'a déjà signé un chèque? Le fait que tu vois ta yamseur Flore monter, descendre, là, tu peux tuer. Tu peux la tuer. Tu as trouvé la faille de Flore de Lille. Tu as trouvé sa faille. Tu as vu que elle cherche vraiment de dire que ma yamseur. Ma yamseur, mais en vrai.
Avant toi, il y a eu la chèvre. Avant toi, il y a eu Nelly Linda. Avant toi, il y a eu... Je cite que les quelques-unes que je connais. Mais tu crois que toi, sachant que tu veux sa place, sachant que tu veux la place de Flore, tu, à cause de toi, Pipi, la team de Flore est en débandade. À cause de toi, Pipi. Tu es venu foutre cette team en débandade. Tu as poussé les gens à choisir entre toi et Flore. Ou à vous suivre ensemble. Au nom de que, comme je suis Bamileke, comme Flore. Toi-même, tu avais pleuré ici. Moi, je ne parle pas des choses pour parler. Oh, ma mojang à moi. Mojang, ma lor, on a une main directe, mais lor. Angèle Marie. Aïwa loi. Tu as foutu cette team en débandade. Tu savais qu'il y avait beaucoup de Bamileke qui supportaient Flore et qui ne t'aimaient pas. Qui ne t'aimaient pas. Oh, et c'est leur droit. C'est leur choix. Tu es venu dedans. Tu as regardé à gauche, tu as regardé à droite. Tu as dit que merde, je peux récupérer quelques individus là comment? Tu peux récupérer quelques individus là comment? Tu as foutu, tu as fait une sorte, tu as préparé la bombe et tu l'as fait exploser que boum! La débandade de ça. Quand tu es parti vendre la basse à Yaoundé, est-ce que Flore a trahi la basse? Nous tous, nous voyons comment Flore échange avec les gens de la basse, cause avec eux, elle rigole avec eux, elle fait ceci avec eux. Nous voyons. Mais elle n'est jamais partie très loin comme toi tu l'as fait. Tu allais vendre la basse, même pas pour un sou, parce que tu veux te faire connaître à Yaoundé. Tu veux entendre que tu connais les ministres. Tu veux entendre que tu parles, tu marches avec le beau monde de Yaoundé. Oui, c'est ce que tu fais. Flore de Lille a toujours tout fait seule. Elle a grimpé ses échelons seule. Easy, easy, mollo, mollo. Easy, easy, mollo, mollo. Même dans ton direct de l'autre jour, tu dis que Guylaine chapute. Parce que moi, je dis chapute parce que... C'est pas ma camarade, hein, c'est pas mon ami. Hein. Je l'aime pas. Hein. Quand la Guylaine chapute, ma Moukanjo, ma Njansan, ma Propro, ma Saboula a invité Flore. Tu étais obligé de venir dénigrer qu'on t'invite. Tu prends le Airboza. Ma Saboula t'invite, tu prends le Airboza. Est-ce que tu ignores que c'est d'abord mon ami? Mais elle t'a invité. Est-ce que je me suis fâchée? Donc, ça veut dire que quelque part, tu fais la concurrence. Quelque part, tu fais la concurrence avec elle. Mais ma Saboula a invité Flore. Elle ne t'a pas invité. Pourquoi? Ça t'a fait mal. Ça t'a chop. Que Flore est partie sur l'invitation de ma Saboula et toi qui es censé être son ami. Parce que toi, tu racoles toujours les amis des gens, hein? Toi, tu racoles tous les amis de Flore de Lille. Tu la racoles tous ses amis pour te faire un nom. Tu es prête. Tu as commencé là-bas avec Ngossa. Où celle-là vit encore, où elle ne vit plus. Moi-même, je ne sais plus. Le compresseur est où? Oui, on dit qu'elle est en deuil. Mais avant le deuil, là, elle était où? On ne la sent plus. On ne la sent plus. Ce n'est plus comme elle était avant. Dis donc, qu'est-ce qui lui arrive aussi? Hein? Flore de Lille, laisse-moi te dire que ce que tu prends pour un jeu là, oh ma yam de soeur, oh ma yam soeur, je n'ai pas de problème avec toi, pas derrière cette fille là, tant qu'elle ne te remplace pas sur Facebook, je veux dire que elle te botte le cul, elle prend ta place et tu es derrière elle. Elle n'aura pas gagné. Quand elle va réussir ça, elle peut même quitter Facebook. Faut pas voir les autres gens comme nous. Une comme Élise. Bon. Je viens, je ne viens pas. Ça m'engage. Regarde toi-même. Tu as les yeux pour voir, non, Flore? Regarde comment ta team est en débandade. Les gens qui étaient avec toi comme ça.
comme ça de ta team. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils s'asseyent entre deux chaises. Ils sont en train de divaguer. Ils divaguent, ils ne savent plus. Oh lolo. Oh Flo. Oh lolo. Oh Flo. Oh lolo. Elle est en train de réussir son jeu. Elle réussit son jeu. Wow. J'avais lu une publication sur j'avais lu un message sur une de... Tu sais que je suis amie avec toi, je suis abonnée à ta page. On est amis, non? Dans Facebook. Il y a un message qui m'avait intrigué. Il y a un faux profil qui avait écrit que Fleur de Lille, tu sais que c'est nous qui te faisons. En disant que ce sont les Bamileke qui te font. Mais le jour qu'on voudra, le jour que tu vas nous faire ça, on va te déposer. Qui a réussi à te cogner la tête avec tes gens? Les Bamileke te supportaient de tout bord, tout monde. Qu'il soit Tchang, qu'il soit Baham, qu'il soit Bafoussam, qu'il soit Bafang, qu'il soit Bangante, qu'il soit. Tous ces gens t'aimaient, te supportaient, même si tu étais Tchang. Qui est venu foutre la merde? Pipito. Pipito. Parce que Pipito, comme Pipito, a tellement basé sa star mania sur les Nkwa. Et que les Nkwa sont des sang, nous on n'a pas de sens. Si tu nous fais pas, on fuit d'abord. Même si on va revenir après, mais on va d'abord te fuir. Elle a dit qu'elle ne peut pas tellement baser sa confiance sur les Nkwa. Donc, elle doit prendre quelques têtes des gens de château, de chevaux, quelques Bamileke qui te supportent à fond là. Elle doit les récupérer. Et elle a récupéré. Tu sais ça? Tu sais ça que je vois? C'est un faux profil qui était avec toi, Manyakama Bobé. Qui pouvait tuer quelqu'un pour toi. Manyakama Bobé, ils sont déjà là-bas. À faire les miaou, miaou. Miaou, 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 miaou. Donc, Maggie, c'est ici que tu viens voir la haine. Hein? La haine t'a fait quoi, Elise? Tu ne sais pas qu'on est en guerre? Quand elle parlait de moi là-bas contre ma famille et quand, ce n'était pas la haine. Quand c'est moi qui parle, c'est la haine. Au bosso. Heureusement qu'on nous connaît déjà, nous tous. À la guerre comme à la guerre. Tu utilises les armes, j'utilise les mêmes armes que toi. Miaou. 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 Ils sont déjà là-bas à faire les miaou. Parce qu'ils ne savent plus où donner de la tête. Elle a réussi à venir foutre la zizanie dans ta team. Au point où même les Nkwa sur, parce que moi je connaissais, hein, je connaissais les Nkwa sur dans ta team que... Oh, merde alors. Que comme... Si quelqu'un toussait même, finissait avec la personne. Wow. Les gens qui ont combattu Pipi pour que Pipi n'entre pas dans ton noyau dur. Tu n'as pas vu ça. Donc voilà contre la basse aujourd'hui. Tu as besoin d'être contre la basse, Flore. Tu as besoin d'être contre la basse. La basse a besoin de te boycotter. Je crois pas. Mais tu es dedans versé, waouh. Est-ce que tu allais trahir la basse? Est-ce que tu allais trahir la basse à Yaoundé? Qui a trahi la basse à Yaoundé? Qui a trahi la basse à Yaoundé? C'est Pipi? C'est pas toi? Tu es pas parti faire ton joka, tu es rentré. On a vu comment tu as fonctionné là-bas. Mais la personne qui a trahi la basse à Yaoundé, c'est Pipi. Laisse-la. Laisse-la manger son feu. Adjin Jeune, tu n'aurais pas dû te mêler de cette histoire-là. D'abord, je te bloque beaucoup. Je t'ai même déjà répondu, tu vois. Allez. Bye, je te bloque. Adjin Jeune, elle mange le feu. Elle mange le feu pourquoi?
parce qu'elle a voulu jouer sur les deux terrains, manipuler les Bamileke, manipuler les Ekam. Et ça ne peut pas marcher. Jusqu'à preuve du contraire, toi, tu as toujours été un peu palapala, tu fais un peu comme une zinzin. Mais les gens t'aiment comme ça. Comme tu es un peu zinzin là, les gens t'aiment comme ça. Mais Pipi est une stratège qui n'a pas de nom. Tu la prends pour ta yam sœur. Elle va te mettre de côté. Tu crois que quoi? Comment t'as annulé chez Ballon NG? Comment t'as annulé en Angleterre là? Elle est fière. Elle est contente. Elle dit que c'est bien fait, comme ça on est ensemble. C'est toi sa rivale. Il n'y a pas deux capitaines sur un même bateau. Il n'y a pas deux capitaines sur un même bateau. Ce qui est sûr, c'est ça. Tu as ton bateau. Et tu es en train de laisser quelqu'un venir empiéter sur ton bateau. Empiéter. Venir prendre tes followers. Venir prendre tes followers, tes gens qui étaient là au début. Toi, tu es arrivé, tu n'as pas fait de racolage. Tu n'as pas fait comme moi. Tu n'as pas fait même comme Pipi, parce que Pipi a fait le racolage. Elle a racolé partout. Moi-même, j'ai fait pareil. Oh. Donc, ce n'est pas comme si je suis en train d'inventer quelque chose. Pipi a fait le racolage. Mais Flore, est-ce que tu as fait le racolage sur les réseaux sociaux? Tu es venu te battre 120 coups, 2000 bagarres. Et tu as toujours gagné avec tes gens derrière. Regarde-toi aujourd'hui. Tu as vu comment tu pleures, non? Tu pleures par rapport à qui? Tu perds tout ça par rapport à qui? Que Pipi, que tu vois là, que je connais là, Pipi n'aurait jamais risqué de perdre ses opportunités pour toi. Laisse-moi te dire ça. Ne te fie pas à ces paroles. Oui, je suis ta sœur. J'ai fait la paix. Moi-même, Veuve est ma sœur. Veuve est ma sœur. Veuve est ma mochang. Mais il y a des choses que je ne peux pas faire avec Veuve Joyeuse. Je dis ça, j'assume. J'ai fait la paix avec elle, non. C'est ma sœur, non. Mais il y a des choses que je ne peux pas faire avec elle. Oui. J'assume. J'assume. Parce que c'est comme ça. Facebook que tu vois ici, chacun fait pour sa gueule. Chacun ne fait que pour sa gueule. Ne crois pas que ce que Pipi fait là. Pipi a vu ta faiblesse. Elle a vu ta faiblesse. Elle joue dessus. Elle joue dessus. Elle dit qu'elle t'a défendu. Barbac, j'ai téléphoné. Moi aussi, je pourrais dire pareil. Que moi aussi, j'ai téléphoné à Amot pour lui dire que rendez-lui son argent. Mais je n'ai pas besoin de venir dire ça sur les réseaux sociaux. Et je ne voulais pas offenser mon frère. Je n'ai pas à me mêler d'une histoire qui vous regarde. Elle n'a pas mouillé le maillot pour toi. Toi, tu viens mouiller le maillot pour Pipi par rapport à la basse. La basse! On ne parle pas de nos clashs qu'on fait là. La basse. Tu mouilles le maillot pour Pipi par rapport à la basse. Est-ce que tu ignores ce que la basse reproche à Pipi? Tu n'ignores pas ce que la basse reproche à Pipi? La basse reproche à Pipi d'être parti les vendre à Yaoundé. Est-ce que toi tu as vendu la basse? Tu n'as pas vendu la basse. Mais Pipi l'a fait. Laisse-la manger son feu seul. Oh, ma âme sœur, oh, tu ne m'as pas défendu. Oh, on doit se mettre ensemble. On doit se mettre ensemble par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Tu as parlé à Mbankui? Tu as parlé au général, au colonel Mbankui? Tu l'as même déjà vu avec tes yeux? Tu as parlé à M. Mbarganglé? Tu l'as déjà vu avec tes yeux? Non, mais Pipi l'a fait. Pipi l'a fait. Voilà où on en veut à Pipi. Voilà où les gens de la basse, il faut qu'ils disent la vérité que nous on t'en veut parce que tu es parti nous livrer. Mais toi, Flore, tu l'as fait toi? Non. Laisse-la manger son feu.
Laisse-la se faire boycotter. Ne mouille pas ton maillot si tu en gagnes pas. Pour quelqu'un qui ne mouillerait pas son maillot pour toi. Trêve de plaisanterie. Faut pas que voir que comme elle fait, comme elle est en train de faire là, elle attire la sympathie de tes gens sur elle. Je te dis que si la fille a réussi comme je suis en train de la voir faire là, si la fille a réussi comme je suis en train de la voir faire là sur toi, c'est ta fin. Parce que ta fin, elle sait que ta fin pouvait que venir que des gens de la basse, la plupart qui étaient, avaient des faux profils, abeilles pour te soutenir, toi. Hein, tape ici. Tape ici, nous sommes jeudi. Tape ici, si ce que je dis là ne va pas se produire. Tape ici. Tu crois que si on te boycotte partout, partout, où on te paye, on te signe tes cachets, qui paye Lolo? Qui paye Pipito pour aller quelque part? Elle panne genre juste pour se faire voir. C'est elle qui paye ses habits, c'est elle qui paye ceci, c'est elle qui paye cela, c'est elle qui part. Njor, pour se faire voir. Mais toi, on te signe les cachets. Tape ici. Si ce n'est pas moi, Élise, qui parle là. Tape ici. Que la fille a réussi. Ce qu'elle a, le jeu qu'elle est en train de préparer sur toi. Tu vas venir ici me dire que, peut-être pas me dire, mais on va voir. Et ça a commencé, ça a commencé, non? Son plan est mis en place. Ça a commencé. Tu crois que celle qu'on appelle chèvre, chèvre du Canada et Pipi sont comme ça depuis le début. Pendant 3 ans, 4 ans que chèvre du Canada t'insultait là. Elle et Pipi étaient comme ça. Les Yamse Banganté de ça. Maman, appétition pour vous là. Ça va sauf que venir nous trouver ici. C'est toi qui crois que tu as les Yamse. C'est toi qui crois que tu as les Yamseurs sur Facebook. Tu as quel Yamseurs sur Facebook? Où tout le monde cherche sa place. Tout le monde cherche sa place sur Facebook. Et tout le monde veut t'abattre. En l'occurrence, pipitologue que tu vois là. Avec Pipi, c'est un pied à terre, un pied debout. Tu dois être comme ça. Un pied à terre, un pied debout. Prêt à bip bip. Je te parle aujourd'hui. J'avais dit que je ne parle plus de tes histoires. Moi, Élise. J'avais dit que je ne parle plus de tes histoires. Parce que je sais que quand je parlais beaucoup de tes histoires, tu m'écoutais beaucoup. Quand on s'est pris à moi dans ta team, j'ai dit que non, je rentre moi. Être ses partisans n'est pas forcé. J'étais une sympathisante. Tu m'as fait quelque chose de beau. Tu es venu me rendre visite quand j'ai accouché. On a rigolé, on a mangé, on a fait les lives, on était bien. Rien que pour ça. On m'attaque partout pour que je me retourne contre toi. Dis, est-ce que ces gens-là oublient que j'étais une détractrice de toi? Est-ce que c'est... Parfois quand on dit que, oh, clash floor, insulte floor. Est-ce que ces gens savent que je me suis déshabillée dans la baignoire pour toi? Est-ce que ces gens-là sont au courant que moi, Élise, je t'ai clashé dans Facebook, si? Jusqu'à... Est-ce que ces gens savent ça? Et que j'ai choisi de faire la paix? Au déprimant même de mes followers. Qui n'ont pas aimé, j'ai dit que je m'en fiche, je ne dois pas en vouloir à ma soeur jusqu'au bout à cause des histoires. Je ne la connais pas, elle ne me connaît pas. Je n'ai rien à perdre, rien à gagner. J'ai fait la paix avec toi et tu es venu me voir quelques semaines après que j'ai accouché Emma. Tu es venu me rendre visite, ça m'a fait plaisir. Ce qui se passe derrière là, toi-même tu m'as dit qu'Élise, tant que je ne te clash pas,
tu seras combattu, on va tout dire, ne réponds pas. C'est ce que j'essaye de faire. Je me force à faire ça. Mais je ne peux pas permettre que une blogueuse comme Pipitologue utilise cette faille pour vouloir venir cogner ma tête avec ta tête. Je ne peux pas. Et je suis obligée. Je suis obligée de sortir et de te faire comprendre certaines choses. Que ta mâche yamse entre parenthèses là. La fille là va respirer que quand elle va prendre ta place. Elle a foutu la merde dans ta team. C'est en débandade. Elle t'a mis dos contre la basse. La basse n'avait pas de problème contre toi. Donc voilà jusqu'ici. À cause de Pipi. Regarde là. Elle est au Bervilliers. Ma. Elle est au Bervilliers en train de tapiner. Gagner son argent. Ouah. Toi, tu es à la maison avec Ma Anna. Le 2 avril, là, tu devais partir, toi, pointer tes colos ou colofap. À cause d'elle. Quand tu vois quelqu'un assis dans la merde, parfois, il faut laisser la personne dans la merde. Parce que si c'était toi qui avais eu la situation que Pipi a eu là, Flo, tape ici. Tu ne sais pas combien de gens auraient été contents de dire que enfin, je ne gagne rien. Je ne gagne rien. Rodian Djoupou ne vient plus jamais sur mes directs. Tu fais partie des gens qui ont organisé le fait que qui ont voulu que Flore et moi ait des problèmes. Quand je te vois ici, ça me fait mal. Parce que tu es la Rodienne que vous voyez ici. Méfiez-vous d'elle. Tu dis que tu aimes Flore Rodienne. Tu fais partie des gens qui manigancent pour la destruction de Flore derrière. Toi, Rodienne, on a déjà vu ton venin. Tu fais partie des gens qui ont téléphoné dans les directs pour demander qu'on se désabonne sur ma page. Que tous les Bamilekais se désabonnent sur ma page. Qui sabotent mon commerce. Toi, tu fais partie des gens là. Tu en fais partie. Toi, Rodienne, je vous connais tellement bien que vous croyez que tout le monde... Mais je ne vais pas... Même si Flore et moi, on n'est pas amis, on n'est rien. Mais je ne vais pas vous laisser la battre facilement. Je pourrais plaider pour elle. Appeler la basque, ficher lui la paix. Mais elle, oui. Mais Pipi, jamais. Je dis ça, j'assume. Pipi est jamais de la vie. Parce que je sais qu'elle est partie vendre ses frères et soeurs. À Yaoundé, pour la notoriété, elle veut s'asseoir avec les ministres et quand. Elle veut se voir, faire voir avec les artistes et quand. Elle veut, tout ce que tu veux là. Flore a eu ça, sans trahison. Flore a été avec Lady Ponce, sans trahison. Elle n'a pas eu besoin de trahir son peuple. Les gens aimaient Flore Ndjor gratuit. Tu es venu foutre ta merde. Une poisseuse comme Pipito. La poisse. Je t'ai dit que toi et moi, c'est une place. Je ne gesticule pas. Je ne fais pas le fouma comme toi tu fais là. Je sais que j'appuie, ça fait mal. Et je dis la vérité. Tu es une poisseuse. Depuis que tu es derrière Flore, elle n'a que des problèmes. Parce que tu manipules, tu manigances derrière. Tu peux prendre un imminent nom. Un monsieur que je ne connais ni d'Adam ni de Ève. Monsieur Monkam, tu ramènes sur les réseaux sociaux par rapport aux fumées. Tu veux me mettre en confrontation avec Bernard Monkam. Je le connais où? Tu as fait quoi sur les réseaux sociaux? Tes frères et soeurs ont triché. Tu as fait quoi? J'ai fait les fumées. Mes frères et soeurs ont triché. Toi, Pipi, tu as déjà fait quoi sur Facebook? Les gens ont triché. Rien.
Tu as fait quoi, les gens ont vu? Tu as dit quoi, les gens ont confirmé? Rien. J'ai fait les fumées, les gens ont triché. Oh. Oui, c'est ça qu'on dit que la matière grise dans le cerveau. Toi, tu as déjà fait quoi? Les gens sont venus tricher. Rien. Vous cognez les têtes, vous cognez les têtes. Après, par derrière, vous venez dire que les gens sont tribalistes. Parce que vous jouez un double jeu. Et votre double jeu là, je joue même le triple jeu avec vous. Je joue ça. Je ne peux pas détester un Camerounais. Peu importe ses origines. Mais sur Facebook, si. Je joue votre jeu. Parce que c'est comme ça et pas autrement. Elle avait ses gens qui l'aimaient. Maintenant, ils sont obligés. D'autres doivent choisir, soit toi, soit elle. Tu avais besoin. Quand tu étais chez Ngossa, Flore était déjà là. N'est-ce pas, tu as combattu Flore, si? Oh, prononce son nom. Voilà son nom que je prononce. J'ai choisi de ne plus prononcer son nom parce que ça devenait déjà comme une sorte d'harcèlement parce que les gens voulaient me pousser à bout pour que je la clash, pour que je lui manque de respect. Mais j'ai choisi que maintenant, tout le monde qui va amener le nom de Fleur de Lune sur mes pages, je bloque. Tu sais le nombre de personnes que j'ai déjà bloquées. Parce que ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir que quand vous voyez une consoeur et sa consoeur, bien, vous venez foutre la merde. Pipi, les autres sont des faux profils, sont dans le noir et tout. Mais toi, je ne peux pas te laisser parce que toi, je connais ton visage. Je vais m'acharner sur toi jusqu'au bout. Tu vas me lâcher la grappe. Tu as compris? Que je sois amie avec Flore, ça n'engage que moi. Que je ne sois pas son amie, ça n'engage que moi. Je n'ai pas de problème avec elle. Dès que j'ouvre ma bouche, vous analysez. Oh, tu veux déjà insulter Flore. C'est de Flore que tu parles. Dès que je dis quelque chose, tu veux déjà. Tu m'exiges de prononcer le nom de Flore. Woza. On te dit que je marche selon les dires et les propos de gens. Prononce son nom. Prononce seulement son nom. Regarde-moi là. J'ai combattu les abeilles. Tu as combattu les abeilles. Tu sais pourquoi tu les as combattues? J'ai combattu les abeilles ici. Donc toi aussi, combats les abeilles. Ah bon? Avec quelqu'un, j'ai fait la paix. Quelqu'un qui est venu chez moi me rendre visible. J'avais encore le sang de l'accouchement dans mes fesses. C'est ce que vous voulez? N'apitiation. On marre, on ne fait pas ça. Nous avons nos problèmes. Moi, je peux t'insulter matin, midi, soir. Je peux même ne pas être d'accord avec Fleur de Lille. La preuve en est que, avec son histoire, avec le couple Amout, je n'étais pas d'accord. Pas que je n'étais pas d'accord qu'elle réclame son argent. J'ai dit que je ne m'en mêle pas. Par contre, j'ai clashé tous ceux qui ont clashé mon frère. Mon frère Betty, mon frère Kam. Je les ai tous clashés. J'ai défendu mon frère par rapport aux gens qui venaient profiter de la situation. Mais son histoire avec elle et le couple, rien à cirer. Ils vont gérer. La preuve, ils ont géré, non? N'est-ce pas, ils ont géré, non? L'âme bini balo pipi toi m'indima me can m'indimité. Je te dis que tant que tu vas venir empiéter en voulant faire passer les écrans, en voulant faire croire que tu es plus intelligente que nous, je serai là pour te remettre à l'ordre. Pour rappeler au mien qui tu es. Et pour rappeler même à tes frères et sœurs Bamileke que tu les as trahis, je serai là. Donc tes pètes que tu fais dans le noir là, c'est petit. I am the prêtre pour toi. Tu dis que oui, Fleur, je pourrais t'amener dans des milieux où tu ne peux même pas... Quel milieu me tord? Je pourrais t'amener dans les milieux que maintenant que je suis à Yaoundé, on m'amène. Tu sais que je sais que tu as vu Katino. Tu es allé dans la maison de ma Katino, non? Vrai ou faux?
qui t'a amené là-bas, c'est toujours un écran. Tu es là, tu volatises, on t'amène comme un panier à Zavik. On t'amène ici, tu t'assois. On t'amène ici, tu t'assois. On t'amène ici, tu t'assois. On t'amène partout. Partout, partout. On t'amène comme... Regarde. Et ce sont les qui t'amènent. Ce ne sont pas les gens de ma famille. Que tu nous lèches. Tu nous lèches jusqu'à l'arrêt du cul. Bien meilleur. Tu es... On nous invite. Ou au pipitologue. On nous a... S'il faut... Si on me donne... Attends. Un petit sabot. Ah, qui me donne même un goudin ici. Qui me donne un goudin. Si on me donne un goudin, on te place, on place Fleur de Lys. Je vais prendre le goudin là. Je vais taper sur pipi. Coco, po, 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 po. Je vais taper ça sur pipitologue. Po. Je t'écrabouille le cerveau. Parce que toi, derrière ton masque de make-up, se cache une femme, hein. Elle dort comme ça, la stratégie. Elle se réveille, la stratégie. À minuit, la stratégie. À midi, la stratégie. Fais ça avec ta âme sœur. Parce qu'elle est en état de faiblesse. Manque d'affection d'une vraie sœur. Une vraie sœur. Mais qu'elle sache que toi... Ce que tu lui dis que, oh, ma âme sœur, ma sœur, j'ai fait la paix avec toi, avec un seul cœur. J'ai fait la paix avec toi, avec un... Minalmi, tu peux. Tu peux. Tu détestes Flore depuis le début. Moi, je suis venu pour le fun club pour me faire connaître. Mais toi, depuis le début, tous ceux qui ont combattu Flore, tu étais derrière, tu as activé le feu. Tu l'as même fait. Moi, ce ne sont pas mes petites injures. Toi, tout ce qu'on sait de Flore là, c'est toi-même qui allais vendre ça à qui voulait. L'âme bi. Chol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 
barbare. Est-ce que c'est mal? Vous croyez que je vais fuir? Pourtant, le poste est là. Est-ce que je l'ai effacé? Je ne l'ai pas effacé, le poste. Il est là. J'ai supporté le côté féminin, féminine de la femme parce que je suis contre toute violence. Parce que la violence ne mène nulle part. La violence ne paye pas. Et qu'on l'ait agressée de la sorte. D'ailleurs, elle m'a remercié. Elle m'a remercié, oui ou non? Est-ce que ça fait d'elle ma copine? Ça ne fait pas d'elle ma copine. Elle m'a remercié, non? De l'avoir soutenue. Je l'ai soutenue sur ce point-là. Elle m'a remercié. Mais ça s'arrête là. Est-ce que ça veut dire qu'elle et moi, on est déjà copines? N'est-ce pas là, voilà, elle et moi qui se chamaillons, qui se bouffons la gueule? Hein? Non, je suis contre la violence. C'est une femme. Le monsieur qui lui a mis le coup de pied dans le ventre, là, il ne connaît pas l'état de son ventre. Non. S'il mettait vraiment un bon coup de pied, là, ça lui pétait les parties génitaux ou quoi que, même les intestins, elle mourrait, là. Non. Non. Ça n'a rien à voir. Merci, Flo. Flo. Vous avez aussi les noms. Facilitez-nous souvent la lecture. Je suis contre la violence. Pourtant, tout le monde sait que j'ai des followers qui m'ont dit que quoi, tu supportes déjà le lot. J'ai dit que je ne supporte pas le lot, mais je condamne la violence. Je condamne qu'elle ait été violentée à ce point, jetée dehors, donner les coups de poing et tout. Je condamne ça. Je ne suis pas d'accord. Mais ça, elle n'est pas ma copine. Elle n'est pas ma copine. Claude Akam, tu n'es pas ici pour faire les arrangements. Hein? Tu n'es pas ici pour faire les arrangements. J'ai des histoires avec Veuve Joyeuse et on casse la chicotte. Ce sont mes mots, Jean. J'ai dit tout à l'heure que quoi, tu viens d'arriver sur le direct. J'ai dit tout à l'heure que même si j'ai décidé de faire la paix avec Veuve Joyeuse et même les Bancas la chicotte, Bancas encore c'est autre chose, surtout Veuve Joyeuse, c'est elle qui est visible sur les réseaux. Ça ne veut pas dire que c'est elle et moi. Il y a certaines choses que je ne peux même pas essayer de faire avec elle. J'ai dit ça sur le live aussi. Je ne sais pas si tu viens d'arriver. Tu étais d'abord fait le Congo ça ou non pas. Depuis plus d'une heure que je suis là, tu viens d'arriver. N'est-ce pas, j'ai fait la paix avec Veuve Joyeuse. Mais tu sais que faire la paix avec Veuve Joyeuse, ça veut dire que t'as armé encore pour mieux te défendre. C'est ce que j'essaie de faire comprendre à Fleur de Lille, que avoir fait la paix avec Pipito ne veut pas dire qu'elle ne doit pas rester sur sa défensive. J'ai fait la paix avec Veuve Joyeuse, mais j'ai pris tous les mouchakoum, tous les trucs, les choses de défense, de défense là, pour mieux me protéger. Parce que maintenant, je sais à qui j'ai affaire. I am the prêtre, je sais à qui j'ai affaire. Je ne peux plus faire n'importe quoi par naïveté. Face à Veuve Joyeuse. J'assume, non. C'est moi qui est en train de parler. Et c'est la même chose que je veux faire comprendre à Fleur de Lille que you, I am not in you. C'est ce que je suis en train de faire comprendre à Fleur de Lille que même si tu as fait la paix avec ton âme de sœur. Sois prête. Parce que la paix ne veut pas dire que tu oublies qui est qui, à qui tu as affaire. Flo a dit qu'elle ne veut pas les haineuses dans son histoire avec la basse. Et qui tu appelles haineuse? Je ne sais pas, tu t'agresses à moi ou c'est juste une façon de parler qu'elle a dit. Flore est venue mouiller le maillot où il ne fallait pas. Elle n'aurait pas dû mouiller le maillot. Mais en cas, c'est quand tu es maman, Jean. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas pareil.
toi tu as bien, mais on connaît une autre veuve. Elle est ma mojang. Mais est-ce que ça veut dire que je ne peux pas rester sur mes gardes? Je dois même tripler mes gardes. Moi, personnellement, je n'ai jamais accepté Je n'ai jamais accepté que tu supportes Lolo. Donc, prochainement, ne fais pas. Tu souffres autant derrière Lolo Roa. Ça veut dire que tu as vraiment un cerveau très petit. Hein. Ça veut dire que tu es prête. Je ne te connais pas. Général Lolo Mania. Mais tu es une femme. Lolo parle souvent beaucoup de toi dans ses directs. Tu es une femme. Donc, ça veut dire que tu peux arriver quelque part. Toi, tu me connais. Moi, je ne te connais pas. Tu vois que je me fais agresser. Et tu vas passer ta route. Sans lever le petit doigt. Sans rien dire. Parce que les histoires des réseaux sociaux font que chacun supporte qui il veut. Chacun prend le parti de qui il veut. Ça veut dire que ben, c'est toi qui es malade. Moi, je ne te connais pas. Tu es un faux profil. Mais j'arrive, même dans une gare où on agresse un frère noir, une sœur, encore une sœur noire, même dans une soirée, je vais te défendre, malgré que je ne te connais pas, parce que tu es une femme. Donc, tu vois un peu la différence de réflexion entre toi et moi. Tu vois un peu la différence. Je vais voir l'être humain. Je vais voir l'individu faible qui est une femme. Et je vais la défendre. Que tu n'es pas accepté, ça n'engage que toi. Mais Lolo a accepté et a apprécié le fait que je la défende. Hein? Tu vois la différence de réflexion? Lolo est un peu plus réfléchi que toi. Normal, tu es faux profil, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de toi? C'est Lolo que je connais, c'est Lolo que je vois. Mais Maïmouave, je te connais pas. Hein? Maïmoye. Quand Lolo allume souvent sa caméra pour insulter Elise, vous êtes où? Joanda, tout ce monde-là devient tout d'un coup amnésique. Il devient amnésique. Comme elle efface ses vidéos, il devient amnésique. Mais je veux lui faire comprendre à cette dame-là, c'est une dame, hein? Comme on parle souvent, tu es une dame déjà bien mûre en plus. Sache que je n'aurais jamais cautionné l'agression de Lolo, même si je suis en guerre avec elle et que je la déteste. Cautionne pas la guerre. Je ne cautionne pas son agression. Je le dis, j'assume. Et je lui reproche d'avoir induit Flore de Lille dans cette merde-là, sachant que Flore n'a jamais trahi la basse, contrairement à elle. Ne te bloque pas, tu restes là. J'aime les gens qui ont des points de vue différents avec moi. Et j'aime les gens avec qui je peux échanger sans injure, sans grossièreté, sans vouloir. Tu vois un peu, non? Tu restes là. C'est toi la reine de Lolomania, non? Le peu que vous êtes. Mais quand on la tabasse là-bas, on ne vous voit pas. Les Lolomania de ça. Quand on la tabasse, on ne vous voit pas. Adjo. Parce que vous êtes toujours comme ça. Vous supportez derrière. Mais quand quelqu'un est au choc, on ne vous voit pas. J'ai beaucoup parlé, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je ne sais pas quelle heure il est. J'ai commencé à me dire si à quelle heure. Bien parler, Elise. Même à son pire ennemi, il ne faut jamais souhaiter la mort. Claudia, tu as bien raison. Je souhaite sa mort, pourquoi? Le problème, c'est que dans la vie, certains pensent qu'ils sont plus réfléchis que les autres. Quand elle fait la vidéo hier, je suis venue. Alors moi, j'ai peur. Je viens dans ton direct, je m'affiche. Oh, tu me vois, tu vois que je suis là. Elle parlait, j'étais là. Et ça, j'ai fui. Hein?
Est-ce que, ma jeunesse, est-ce que la violence n'est que physique? Elle peut aussi être verbale. Bien sûr, tout ça est condamnable. N'est-ce pas, on condamne les propos antisémites, racistes, tout. On condamne. Mais n'oublions pas la Genèse, que si la basse s'en prend à pipi, c'est parce qu'elle les a vendus. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous laisse. Bonne journée à vous. À bientôt. Je vous laisse. Je vais régler le problème de l'histoire du téléphone. C'est que maintenant, quand j'ai fait le direct, il coupe. J'ai fait le direct, il coupe. Heureusement que j'ai mon vieux korum-korum de téléphone. Si j'ai mon vieux korum-korum de téléphone. Je ne sais pas. Bonne journée. J'ai dit ce que j'avais. Merci Marie-Louise. Merci. Bonne journée alors. On est ensemble. La journée ne fait que commencer. Même ce soir, on peut relancer. On est ensemble.